Bonjour chers collègues, aujourd'hui on va voir les fiches. Comment préparer une fiche? Bon, j'ai déjà fait la vidéo, mais selon la demande de mes collègues, alors j'ai opté pour refaire cette vidéo avec plus d'explications, surtout les enseignants débutants qui ont une confirmation. Et je voulais juste m'excuser auprès des enseignants qui m'ont contacté sur Messenger. Bon, là, vraiment, j'étais un petit peu malade. J'ai pas pu leur envoyer les documents. Bon, comme d'habitude, n'oubliez pas de faire un like. Bon, c'est gratuit le like. Et abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Alors, pour commencer, il faut savoir que l'affiche. Bon, on va essayer de parler chouïa en arabe. La fiche, elle est composée de deux parties, d'accord? On a deux parties, comme ceci. On a l'en-tête et on a le déroulement. En-tête, déroulement. Alors, pour l'en-tête. L'en-tête, qu'est-ce qu'on doit écrire dans l'en-tête? Dans l'en-tête, on doit écrire d'abord le niveau. C'est-à-dire de quel niveau? La fiche de quel niveau? Troisième, quatrième, cinquième. Ensuite, le projet. On est dans quel projet? Projet numéro. Ensuite, séquence. Quelle séquence? Et l'intitulé de la séquence. Ensuite, l'activité. Quelle activité? Vocabulaire, compréhension de l'oral, compréhension de l'écrit. Ensuite, il y a ceux qui écrivent acte de parole. De quel acte de parole on parle ici? D'accord? L'acte de parole. Ensuite, on peut écrire aussi les compétences. Les compétences terminales pour l'oral et pour l'écrit, ça selon l'activité. Ensuite, on a aussi des objectifs d'apprentissage. Et il y a ceux qui ajoutent aussi les valeurs. Les valeurs. Moi, personnellement, je n'ajoute pas ces valeurs-là. J'écris seulement les compétences et les objectifs. Ensuite, on peut écrire aussi le titre. Quel est le titre de cette activité? C'est-à-dire la leçon. On a par exemple la leçon de compréhension de l'écrit. Par exemple, le titre, on va mettre le titre du texte qu'on va lire. Et ensuite, on a le matériel didactique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va avec quoi on va travailler. D'accord? Ensuite, on peut aussi ajouter la durée. Le temps, c'est-à-dire 45 minutes, 30 minutes, 20 minutes, 25 minutes. C'est pour l'en-tête. Ça, c'est l'en-tête. Maintenant, le déroulement. Qu'est-ce qu'on doit écrire dans le déroulement? Comme chaque activité, le déroulement doit commencer par un petit rappel. Un petit rappel, c'est-à-dire chaque leçon doit commencer par un rappel de la séance précédente, voilà, des apprentissages précédents, c'est-à-dire des requis et des prérequis. Après, on a le premier moment, c'est le moment de découverte. On l'appelle un rappel, voilà, éveil de l'intérieur. Il y a ceux qui disent rappel ou éveil de l'intérêt. Éveil de l'intérêt. Ensuite, on a le moment de découverte. Le moment de découverte, c'est la mise en situation, c'est-à-dire mettre de l'air dans une situation d'apprentissage déterminé. Ensuite, on a le moment d'observation.
le moment d'observation méthodique et analytique, c'est-à-dire on va analyser ici. Ensuite, on a le moment de reformulation personnelle. Moment de reformulation personnelle. Et vers la fin, moment de d'évaluation. D'évaluation. En général, hado huma les étapes des leçons. Mais on sait que chaque activité a des étapes qui diffèrent d'une activité à une autre. Les étapes, il y a trois étapes, il y a deux étapes, pardon, quatre étapes. Alors, mais en général, ce sont les mêmes étapes. Hado huma les quatre étapes de chaque activité. Comme vous pouvez voir ici, hado un modèle d'une fiche, voilà un modèle d'une fiche de grammaire. Voilà, comme vous pouvez voir, voilà les étapes. Adna, ici, le moment de. Un rappel, je ne l'ai pas mentionné ici. Le moment de découverte, moment d'observation, moment de reformulation et moment d'évaluation pour faire le point. On peut aussi. Adna, c'est, je vais chez Magic, c'est la deuxième séquence. Aussi, la même chose ici pour la lecture-compréhension, comme vous pouvez voir. Voilà. Les mêmes moments. C'est-à-dire, ce sont les mêmes moments qui sont vraiment. C'est seulement l'oral. L'oral qui diffère un petit peu, ce n'est pas la même chose. L'oral, parce qu'on a les écoutes. Pour l'oral, on a les écoutes. D'abord, on a un petit rappel, l'ESM, le petit rappel. Ensuite, le moment de découverte. Voilà. Adna, la première écoute. Fait le moment de découverte. Adna, la première écoute. Fait le moment d'observation méthodique, c'est-à-dire l'analyse et tout ça. On a la deuxième écoute et la troisième écoute. La quatrième écoute, elle est facultative, c'est selon la compréhension des élèves. Ensuite, on a le moment de reformulation personnelle et le moment d'évaluation. C'est pour l'oral, les écoutes, il faut mentionner les écoutes. Première écoute, deuxième écoute et troisième écoute, c'était une petite vidéo sur les étapes de la fiche pédagogique. J'espère que c'était clair pour vous. On a dit l'entête et le déroulement. Il faut respecter les deux étapes. Seulement, là, vous pouvez remplir selon l'activité que vous allez présenter. Alors, je vous remercie mes amis pour votre attention. C'était la leçon d'aujourd'hui, la fiche, comment préparer la fiche pédagogique. À la prochaine vidéo, très prochainement, Inch'Allah. Merci et au revoir.